Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi que Dieu. Amen. Bonjour les amis. J'espère que tout va bien avec vous. Surtout avec ces congés. On est bien à la maison. Mais moi, j'aimerais profiter de cette occasion pour passer quelques minutes avec vous chaque semaine. Chaque fois, j'aimerais vous raconter une histoire. J'aimerais vous parler des paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi une parabole? Bien souvent, Jésus racontait de petites histoires qu'on appelle des paraboles pour expliquer à la foule et à ses amis le chemin qui amène au royaume des cieux, pour leur donner un moyen pour suivre les commandements et faire la volonté de Dieu. Une histoire reste plus longtemps dans la tête. On s'en souvient plus facilement. C'est pour ça que Jésus-Christ a utilisé ces histoires pour nous amener sans sa volonté pour notre salut. Jésus-Christ a raconté dans l'Évangile 39 paraboles. Il y a des paraboles courtes, il y a des paraboles longues, mais tous ont un seul but, de nous faire comprendre le message de Dieu et quoi faire pour aller au ciel. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la parabole du bon samaritain. Cette parabole se trouve dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 10. L'histoire commence par un homme qui vient demander à Jésus-Christ, il lui dit, qui est mon prochain? Alors Jésus raconte l'histoire du bon samaritain. C'est l'histoire d'un homme juif qui voyageait de Jéricho pour aller à Jérusalem. Et il a été attaqué au cours de son chemin par des voleurs qui l'ont frappé, volé, laissé à moitié mort sur le chemin, et ils sont partis. Des gens passés passent d'abord un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est dans l'Ancien Testament pour les Juifs, c'est celui qui offre des offrandes, qui offre des sacrifices à Dieu. C'est le prêtre dans notre Église aujourd'hui. Mais ce sacrificateur, il a regardé cet homme. Il lui dit, oh, j'ai pitié de toi, je ne peux rien faire, je dois aller faire des sacrifices. Il est passé, il l'a laissé. Il a été suivi par un lévite. Un lévite, c'est celui qui sert et qui aide le prêtre, qui aide le sacrificateur à faire les offrandes. Et lui-même, il a dit la même chose. J'aurais aimé t'aider, mais moi je suis occupé, je dois être maintenant au temple. Il l'a laissé, il est passé outre. Suivi d'un samaritain. Les Samaritains et les Juifs sont des ennemis. Ils ne s'aiment pas. Ils ne se parlent pas. Mais cet homme a été pris de compassion. Il est descendu de sa monture. Il est allé guérir. Il est allé s'occuper de ce homme blessé. Il bandit ses plaies. Il l'a mis sur sa monture. Et il l'a amené dans un hôtel et il a payé de l'argent pour l'hôtel. Il dit à l'hôtel, occupe-toi de lui. Quand je reviens, je paierai tout ce qui a coûté. Jésus demande au jeune homme, qui est son prochain? Alors, il dit, bien sûr, c'est celui qui l'a aidé. Alors Jésus lui dit, va, fais de même. Jésus, dans cette parabole, nous donne un exemple. Comment aimer? Ce Samaritain a sacrifié son temps, son argent, son effort pour servir un homme qu'il ne connaît pas et même qui est un ennemi à lui. Mais c'est ça le signe d'amour. Aimer sans vouloir prendre. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix. Il est mort pour notre salut
parce qu'il nous aime. Et il nous a dit, il n'y a pas un amour plus grand que donner sa vie pour ce qu'on aime. Alors si on veut hériter le royaume des cieux, de cette parabole on apprend qu'il faut aimer. Il faut aimer tout le monde. On est tous des frères et des sœurs. On est tous des enfants d'Adam et d'Ève. On est tous enfants de Dieu. Il faut aimer tout le monde, quelle que soit la personne. Aimer ne veut pas dire prendre, veut dire sacrifier, veut dire donner, veut dire aider. En cette occasion qu'on est dans les maisons maintenant, chers amis, profitez pour aider vos parents à faire le ménage dans la maison, à arranger, prier, aimez vos frères et sœurs et ne vous querellez pas. Et soyez toujours tous ensemble, car c'est le chemin qui amène dans le royaume des cieux. Dieu veut qu'on s'aime, on s'aime de toutes nos forces. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et la Bible dit, aimez vos ennemis. Et c'est ça l'exemple du bon samaritain qui a aimé son ennemi, et l'amour était par des actes faits. Chers amis, j'espère qu'on vivra ensemble cet amour durant cette semaine. Et je vous dis maintenant au revoir à la semaine prochaine et avec une autre parabole. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen.